Bonjour à tous, ici Spodex et bienvenue dans ce deuxième épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2 sur Nintendo Switch. Alors, dans le premier épisode, on s'est retrouvé sur ce bateau. Il y a des gens qui nous ont demandé de l'aide, alors on y va et on aide. Ah, maintenant c'est celui-là. Ma parole, tu n'as pas perdu de temps. D'abord les torches et maintenant un bâton de cyprès. Mais comment se considérer comme un bâtisseur sans aucun outil? Tu en as d'ailleurs. Non. Ah, j'ai mis oui, pardon. Menteur! Tout ce que tu as, c'est ce bâton de cyprès. Tu n'as aucun outil sur toi. Bon, et si on réglait ça, hein? J'ai confisqué cette paire de gants au bâtisseur en cellule dans la cale. C'est pour toi. Ils te permettront de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au préalable. C'est idéal pour bien ranger tes affaires. Alors, sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gants, récupère tous les tonneaux des disséminés sur le pont et place-les sur le tapis à côté de moi. Yeah! Nouvel outil obtenu, gants. Alors, utilisez les gants pour déplacer les objets d'un endroit à un autre, appuyez sur ZR pour ramasser quelque chose, ou pour la poser, et sur Y quand vous tenez un objet pour la faire pivoter. Ok. Donc, voilà, et voilà, très bien. Pour dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tout bâtisseur en herbe. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que des bons à rien, mais après ce que tu m'as montré, je devrais peut-être changer d'avis. Hélas, tu auras beau suer sang et eau, tu seras toujours un bâtisseur, l'ennemi juré de notre ordre. Je crains que ton séjour parmi nous ne soit pas très long, mais ce n'est pas à moi de décider de ton avenir. Cela incombe au capitaine. Le capitaine, il est là-bas. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir notre corvée éreintante. Pas mal, pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous les monstres. Et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes, mais c'est terminé. Tu adores faire ça, pas vrai? T'es vraiment quelqu'un de bizarre, tu le sais. Mais je veux t'entendre de ta propre bouche. Tu aimes construire des choses? Yep. Évidemment. C'est pour ça que tu te lèves le matin. Je le lis dans tes yeux. Tu es tout d'un maître bâtisseur. Tu as tout. Pardon. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise, hein? Toutes mes excuses, petit, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules, dès maintenant.
Je te taquine. N'aie pas peur. Je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelot. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux rejoindre mon équipage? Ne dis rien. Je vois bien que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce grand livre que tu as là? Je n'ai jamais rien vu de tel. Hein? D'où viennent ces gouttes d'eau? Quoi? Tu me diras ça plus tard, petit. On dirait qu'une nouvelle tempête approche. Ah, un apprenti bâtisseur. Tu feras l'affaire. À toi de créer ce monde, ou de le détruire. Maintenant, approche, mon enfant. Le sourdingue, pourquoi ces yeux de merlan frit? Tu m'écoutes ou quoi? Je t'ai dit de retourner en bas. C'est beaucoup trop dangereux pour les marins d'eau douce de ton espèce. Dans la glu ici. Bon sang. Non. Bon sang, j'aime pas ça. Tenez bon, j'arrive. Tout va bien, bâtisseur? Ah, mais je ne peux pas m'arrêter pour aider un humain. Je dois aller dans la cale. Chaos nous garde. Tout va mal. Très mal. Hé, bâtisseur! Ramène ta carcasse frêle ici et que ça saute! On a besoin de toi! Par ici, bâtisseur! Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? J'ai une mauvaise nouvelle, bâtisseur! On a heurté un récif et un rocher à traverser la coque! Si on ne répare pas très vite, on va boire la tasse! Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais essaye de placer une caisse dans ce trou. Tu as une paire de gants, n'est-ce pas? Alors serre-t'en! Yup, allez, je dois sauter. Allez, allez, j'étais, ouais. Et là, c'est... Voilà. C'est passé tout près, mais tu as réussi. Tu as sauvé mon... Oh! Par tous mes os, encore des trous. Waouh, on prend l'eau. Fais quelque chose, utilise notre caisse et bouge tous ces trous. Alors, il faut que je saute là, comme ça je peux sauter là. Là, hop. Voilà, ici, sur les caisses, voilà, enfin sur les tonneaux, voilà. Tu nous as sauvé la mise. Bâtisseur ou pas, je te dois une fière chandelle. Mais notre collision avec ce rocher a ruiné la coque. La prochaine vague pourrait bien nous... Voilà, je le savais!
C'est une course contre la montre, bâtisseur. Place d'autres caisses dans ces trous, et vite! Très bien. Voilà. Consolider mon navire comme il faut, bâtisseur. Je ne sais pas où on serait sans toi. Au fond de l'eau. Il tiendra encore un moment, mais je ne sais pas combien de temps. Oh, partout mes os, c'est la fin. Bon sang, regarde ça, on n'a pas de caisse assez grosse pour bouger le trou de cette taille. C'est la fin. C'était un plaisir de te connaître, mais n'oublie pas, bâtisseur! C'est la fille qui était dans l'autre cellule. Très bien. Bon, j'espère que ça nous a pas spoilé un peu du jeu, cette cinématique. Mais donc voilà, on a fait le tuto, on a réussi sans problème. Maintenant, c'est bon pour le vrai jeu. On va commencer le chapitre 1, j'imagine. Alors, il y a un peu long à charger. Mais bon, vu la qualité du jeu, j'imagine que ça vaut le coup, hein. Voilà. Skrillex s'éveille sur une plage. En jugé par les morceaux d'épave éparpillés sur le sable, il a fait naufrage sur une île déserte. Il décide d'explorer les alentours. Très bien, j'ai toujours mon bâton, j'ai toujours mes gants. Voilà, je prends des briques. Enfin, c'est du bois, je pense. Thank you.
Donc on va poser un bloc juste là. Mince. C'est pas très grave. Bon, je peux pas le taper celui-là. Et lui non plus. Ok, donc on va explorer un peu les alentours. Un coffre. Soudain, Skrillex entend une voix. Rien dit. Rien ici. C'est complètement désert. Et d'ailleurs, où je suis? Comment j'atterris ici? La voix mystérieuse semble provenir de l'autre côté des rochers. Skrillex devrait pouvoir creuser un chemin dans le sable pour atteindre l'autre côté. Les gens vont ouvrir le coffre. Uvarek pour manger. Il y a un coffre là. Non? Ah non, c'était un tonneau. Pas grave. C'est bien aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? J'explore un peu, hein. Voir que je ne rate rien. Ok, il y a l'air de plus avoir grand chose. Un peu de pareil, un peu de bois, un tonneau. Tout va bien. Mais alors ici. Île de l'éveil. La terre de toutes les possibles. Et ce ciel, quelle couleur bizarre! Est-ce que je suis mort? C'est donc ça l'enfer? Hein? C'est quoi ce bruit? Hé, les bourrifés, t'es qui? Ah, d'accord, c'est lui. Un survivant? Pas trop tôt! Tu sais comment on s'est retrouvé ici? A fait naufrage et tu t'es réveillé sur cette plage. Comment ça se fait que tu sois le seul rescapé? T'es invulnérable ou quoi? Tu t'appelles Skrillex et tu es apprenti bâtisseur. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais félicitations quand même. Bref, moi c'est Malroth. Malroth? Oh non, sérieux! Allez, suis-moi, j'ai quelque chose de morbide à te montrer! Sérieux, ce sera le boss de fin. Eh ben quoi, ne me dis pas que j'ai affaire à une âme sensible, allez viens, tu seras pas déçu! Je suis presque sûr et certain que c'est la réincarnation du Malroth du grand démon. Que ce sera le boss final. Allez, hop, on court un peu là. C'est ce que j'appelle manger les algues par la racine. Je parie que t'as jamais rien vu de pareil. Oui,
visiblement, on est les seuls rescapés du naufrage, Spudex. Comment ça, tu te souviens pas de m'avoir vu à bord? Si c'est vrai, alors comment... Qu'est-ce que... Cette fille respire encore? Elle a l'air plutôt mal en point. Vaudrait mieux mettre fin à ses souffrances, si tu veux mon avis. Pas de réponse, ce n'est qu'un cadavre. Le ressac vient emporter le corps dans les profondeurs de l'océan. Oh. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Des pirates! De vilains pirates sans foi ni loi! Vous allez m'enlever et demander une rançon pour me libérer, c'est ça? Ah! Et la voilà partie, elle a pas la langue dans sa poche, hein? Si tu veux mon avis, on devrait faire la faire taire une bonne fois pour toutes. Bon, je m'en occupe. Pas de réponse, ce n'est qu'un cadavre. Le ressac, blablabla. Ok. Bon. Alors, une vieille maison. N'approchez pas. Si vous comptez me capturer, vous pourriez au moins me dire où on est et comment on est arrivé ici. Nous sommes sur une île déserte, mis à part quelques cadavres et deux ou trois rochers. Sprelex et toi avaient dû faire naufrage ici quand votre navire a coulé. Une petite minute. On se connaît? Ah oui, ça me revient. Tu es le bâtisseur qui était à bord avec moi. Celui qui n'arrêtait pas de sourire bêtement tout en obéissant aux ordres des monstres. Tu étais de mèche avec eux. Donc tout ça, c'est un peu de ta faute. Alors comment tu comptes te racheter? En fabriquant ce dont on a besoin pour survivre et en attendant qu'on vienne nous sauver. Bon, c'est vrai que même un amateur dans ton genre devrait pouvoir se servir de cet établi vétuste pour fabriquer le minimum vital. Au fait, moi, c'est Lulu. Bon alors, de quoi on va avoir besoin? Voyons voir. On va avoir besoin d'un abri pour se protéger des intempéries en attendant les secours. Je supporte pas bien le soleil et j'aimerais bien survivre jusqu'à leur arrivée. Il nous faut des murs d'au moins deux blocs de haut ainsi qu'une porte. Voyons voir. Pourquoi ne pas retaper cette vieille cabane? Tu devrais pouvoir réutiliser des morceaux d'épave pour effectuer des réparations. Utilise tes gants pour éviter les échardes. On risque d'être coincé ici un moment avant que quelqu'un vienne nous chercher, donc on devrait sérieusement songer à trouver de quoi manger. Il devrait y avoir des coquilles risées sur la plage. Va en ramasser quelques-unes. Et fais un feu de camp pour qu'on puisse les griller. Qui dit feu, dit bois. Heureusement, entre les morceaux de bois flotté et les tonneaux brisés de l'épave, tu devrais pouvoir y trouver ton compte. Maintenant, il me faut un lit. Un vrai. Tu ne crois quand même pas que je vais dormir sur ces sales rochers rugueux? Bon, je ne m'attends pas au grand luxe. Pour l'instant, on devrait se contenter de trois paillasses. Place-les dans la pièce quand tu auras terminé. Dis donc, elle va pas commencer à nous donner des ordres, la peste. Boucle-la, l'homme des cavernes. Et puis, c'est quoi cette tenue à peine décente? Tu crois impressionner qui avec tes muscles saillants? Répète un peu pour voir et tu verras à quoi ils servent, ces muscles. Oh, bâtisseur, tu vas faire ce que je te demande, pas vrai? Tu ne laisseras pas une pauvre demoiselle retourner à l'état sauvage, hein?
je ne sais pas, parce que là, elle vient de me faire un truc où je vais dire oui, un truc où je vais dire non. Fantastique. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu peux aborder cet âge comme un genre d'apprentissage. Comme ça, quand tu deviendras un vrai bâtisseur, ce sera grâce à moi. Un apprentissage? Pour qui elle se prend, la peste? Tu te souviens quand j'ai suggéré de mettre fin à ses souffrances? J'aurais plutôt dit nos souffrances. Ok. Hop. Voilà. On va commencer. Cette fille me tape sur les nerfs. Quand elle n'est pas en train de se plaindre, elle nous traite comme des laquais. C'est intenable. Ne la laisse pas te donner des ordres, d'accord? Tu es apprenti bâtisseur, pas majordome. Oui, je sais bien qu'elle est coincée ici, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'aider. Ce que tu peux être naïf et niais des fois. Elle n'est pas la seule à avoir fait naufrage, crois-moi. La vie, c'est mieux quand on pense d'abord à soi. Au fait, je voulais te demander, la profession de bâtisseur, est-ce que ça a à voir avec la haute couture? Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai décidé de te donner un coup de main. C'est mieux que d'avoir à subir ces bavardages. Alors, tu vas faire quoi en premier? Si tu veux mon avis, tu devrais commencer par rafistoler ces murs. Quelques planches pour boucher les trous et hop, tu auras bâtissé une nouvelle pièce, pas vrai? Pour tout te dire, j'ai complètement oublié ce qu'elle a oublié d'autre. Ce qu'elle a demandé d'autre, pardon. Reparle-lui si tu as besoin de te rafraîchir la mémoire. Bon, alors, premier... Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, hop. Très bien. Ça nous fait une pièce. Oh, Sprilex, tu as réparé ma chambre. Et si des monstres viennent nous attaquer, je pourrais m'y enfermer. Pas trop mal pour un apprenti de rien du tout. Au fait, une pièce doit être munie d'une porte et de murs d'au moins 2 blocs de haut. C'est le minimum pour une pièce digne de ce nom. Je suis ravi d'avoir enfin un endroit à moi. Venez me rendre visite quand vous voulez, l'homme des cavernes et toi. Très bien. Elle a l'air plutôt satisfaite de ton travail. Bien, au tour du dîner maintenant. Madame nous a demandé de lui préparer une coquille risée au feu de camp, non? Tu sais faire ça, toi? Nouvelle recette. Feu de camp. C'est quoi ce livre? Comment tu viens d'inventer les feux de camp et tu peux désormais en fabriquer si tu as suffisamment de matériaux? Il te suffit de combiner du bois et de l'huile à l'aide de cet établi vétuste. De l'huile, je peux t'en procurer grâce à une généreuse donation d'un gluant dont j'ai croisé la route. Tiens! Les mesures d'huile. Il ne te manque que du bois. La peste a dit que tu pourrais ramasser du bois flotté et trouver des tonneaux brisés sur la plage, je crois. Tu devrais te mettre à fabriquer ce feu de camp. Je n'ose pas imaginer son humeur quand elle a faim. Très bien, ben on va s'arrêter là pour cet épisode. On reprend dans le suivant. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.